Whoa. Walk up in the club, whoa. Give them a run, whoa. Give them a jump, whoa. With your busy body, yeah. With your busy body, yeah. Maman. Maman. Il ne décroche pas son téléphone. Et je me demande où il serait en ce moment. Peut-être chez une de ses petites copines. Ce garçon. Hey! Je m'inquiète pour le genre de fille qu'il mène avec les filles. Ça commence à me rendre malade. Maman, la mère de ma copine m'a dit que tous les hommes sont comme ça. Alors nous ne devons pas trouver Messan si étrange. Messan est bel et bien étrange à son âge. Il devrait penser à fonder une famille. Ah. Maman, tu ne peux pas penser à sa place, n'est-ce pas? Il est déjà un adulte et il sait bien ce qu'il lui faut. Aucune femme ne serait heureuse de voir son fils mener une vie de débauche. Moi aussi, je ne suis pas contente de ça. Mais chaque fois que tu lui en parles, il dit toujours qu'il sait ce qu'il fait. Et il ne sait rien. Il agit comme un enfant qui s'amuse avec le feu, à qui on dit de ne pas toucher, mais qui le touche quand même. Maman, cesse de t'inquiéter. N'est-il pas supposé être ici en ce moment pour nous voir? Tu t'inquiètes trop, maman. Quoi qu'il en soit, je suis fatiguée. Il faut que je dorme. Tu sais, je dois partir sur le campus demain. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je crois que je suis dans les toilettes des hommes. T'inquiète pas, princesse. Jah pardonne toujours. Jah? C'est le nom de la boîte? Jah. Le nom de la boîte? Rends grâce au Très-Haut pour la protection qu'il nous accorde. Je suis l'esprit. Où peut-il l'être à cette heure-ci de la nuit? Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour ce garçon? L'esprit est libre de celui qui se met en contact avec lui. Si tu l'invites dans ta vie, il va t'amener au-delà de ton imagination. Oui, et il fera de toi la meilleure parmi tes amis et la préférée de tes parents. Dieu, qu'arrive-t-il à mon fils? Parle-moi de cet esprit. Tu as besoin d'expérimenter ça, bébé. Je vais t'en donner. Pourquoi tu n'en prends pas un peu? Juste un peu. Vas-y, sniff. Sniff un tout petit peu. Sniff. Ça, c'est l'esprit. N'est-ce pas de la drogue? Drogue? Oh. Ce n'est pas du Panadol, ni du paracétamol. Je ne prends pas de la drogue. C'est là le chemin même d'accès à l'esprit, le plus haut que vous tous désirez. Allez. Je suis sûre qu'il n'a pas oublié les difficultés que j'ai traversées pour l'emmener au niveau où il se trouve actuellement. Tu as apporté la lumière dans notre vie pour nous montrer le chemin. Cette lumière qui est avec nous depuis semble le désorienter vers la vie de débauche qu'il mène. Si tu goûtes ça, tu verras l'esprit qui t'amènera au ciel. Et c'est ça. Pourquoi tu fermes les yeux? Mes yeux?
mes yeux ne sont pas fermés. Je communiquais avec l'esprit de Jah. Essaye ça. Goûte ça. Vas-y, goûte un peu. Ça va te plaire. Vas-y. Tu as entendu mes cris une fois. Et tu les entendras encore. S'il te plaît, enlève-le de ce chemin. Oui, essaie ça. Essaye. Tu vas voir. Ça va te faire du bien. Vas-y. C'est facile. Ça va? Tu aimes ça? C'est une bombe, bébé. Ça, c'est la bombe. L'esprit de la vie. Vas-y, essaye encore. Oui, vas-y. Ça va? Hey, reste là. Allez, c'est... Ne tombe pas. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Vas-y doucement. Tu aimes ça? Je t'avais dit, ça c'est l'esprit, c'est l'âme. Oui, je te l'avais dit. Tu sais, c'est joli, c'est plus que joli. Ça c'est parfait, c'est la création divine. Et tu vas nous laisser aussitôt ce beau matin? C'est ta manière à toi de me saluer? Je suis désolée, chérie. J'ai une réunion très importante à assister ce matin, c'est pourquoi je m'en vais aussitôt. Mais je ne pense pas que cela soit aussi important que les retrouvailles matinales. Chérie, ça peut attendre un autre jour, non? Maintenant, as-tu réalisé que ta fille est rentrée très tard à la maison cette nuit? Toujours sous l'argument qu'il avait des coups avec un professeur. Écoute, je suis occupé avec ma campagne électorale. Et c'est pourquoi je voudrais que tu t'occupes bien des affaires de la maison. Et je ne fais que ça. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est de réduire tes affaires et tes programmes sociaux pour le moment. Et passer un peu plus de temps avec elle. De cette façon, elle ne manquera pas de temps. Vous avez un appel. Écoute, Kissy, je n'ai pas encore pu mettre la main sur ça, hein? Oh. Ne t'inquiète pas, bébé. D'accord? Je le ferai. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Si je t'avais mise au monde, je suis sûre que tu ne mènerais pas une vie aussi indécente. Est-ce difficile pour toi de t'asseoir et de penser un peu à ta vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Maman, je ne suis pas un vagabond, s'il te plaît. Comment appelles-tu un homme qui travaille dans une compagnie de jeunes filles avec qui il couche toutes? Et tu veux me définir l'homme vagabond? Être avec elle, ça veut dire que je couche avec elle? Mensa, je ne suis pas née hier. Hmm? Et j'ai des yeux, de gros yeux, avec lesquels je peux bien voir. Mon instinct me dit toujours toutes tes intentions. Tu dois savoir que tu parles à ta mère, la femme même qui t'a mise au monde. D'accord? Si tu ne veux pas me tuer avant mon heure, prends ta retraite maintenant. Maman, tu dépasses les bornes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre. Ne puis-je pas vivre en paix? Idiot! Maman! Ne me parle plus jamais comme ça dans ta vie. Tu as voulu me gifler? Et je te giflerai encore et encore si tu me donnes le droit de le faire.
S'il te plaît, calme-toi. Laisse-le vivre. N'oublie pas tes problèmes de santé, s'il te plaît. Comment puis-je me calmer si mes premiers efforts de travail sont en train de s'écrouler? Sommes-nous obligés d'aller à ce sujet? Je crois que je dois t'interdire d'aller suivre ces gens de cours et j'en passe. Et comment je vais faire alors? Oui, on te prendra un professeur à la maison. Cela ne serait pas nécessaire. Hey! Je détermine ce qui est nécessaire, pas toi, c'est compris? Mais je n'aime pas ton idée. Hey! Ce n'est pas à toi d'aimer ou pas, mais à moi. Est-ce clair? Mais je pense savoir ce qui est bon pour moi. Si tu le savais, tu saurais alors qu'un enfant de ton âge qui rentre tard à la maison est très dangereux. Je ne comprends juste pas pourquoi le père insiste qu'elle doit obtenir son premier diplôme ici. Alors, si tu es intéressé que je fréquente à l'extérieur, pourquoi tu ne sponsorises pas ça depuis que papa a refusé? En faisant ça, je vais créer la division dans cette maison. Comment, maman? Je pense que papa est en train de refuser parce que c'est plus cher et compliqué là-bas. Ma chérie, ton père peut faire cela 10 fois s'il le veut bien. Alors, c'est peut-être à cause de son ambition présidentielle. Qu'est-ce que ça a à voir? Tous les hommes politiques de ce pays ont leurs enfants à l'extérieur pour passer leurs premiers examens. Maman, quel que soit l'argument que tu vas développer ici, je serai contre. Comment? Ce n'était pas mon intention de faire ça. J'ai beaucoup de cas à ma charge que je dois éclaircir. Alors, tu n'as pas encore fini ton devoir pour m'accorder un peu de temps? Laisse-moi y penser. J'ai besoin d'une décision définitive. D'accord. Oui. Tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Tu sais quoi? En plus, qui est-elle? Elle est mon invitée. Jeune fille, sortez de ce bureau immédiatement. Médecin, qui est cette vieille peau? Pourquoi elle me met hors de ton bureau? Quoi? S'il te plaît, s'il te plaît. Tu ne vois pas qu'elle me suit? Mais si, je vais régler ça, je vais régler ça. Si tu n'es pas une vieille prostituée, qu'est-ce que tu as tourné autour de mes seins, un jeune homme qui peut être ton fils? Prends ça! Stupide, imbécile! Elle m'a sifflé! Maintenant, va-t'en! Dehors! Va-t'en! Maman, écoute. Ça me rappelle Winnie. S'il te plaît, assure-toi de rentrer à la maison tôt ce soir, d'accord? D'accord, j'y veillerai. Merci. Passe une belle journée. Toi aussi. Au revoir. Waouh. C'est une façon intelligente de dissimuler les choses. Est-ce qu'on t'a engagé pour jouer à la souris dans cette maison? Non. Mais maintenant que je connais votre mouvement, je pense que vous êtes en de bonne compagnie. Qu'est-ce que tu veux dire? Faites un geste et je ne cracherai pas le morceau. Quel morceau? Oh, mais vous savez de quoi je parle. J'ai l'impression que tu es fatigué de cet emploi. Tu ferais mieux de commencer à en chercher un autre parce que je vais te faire dégager. Vous bluffez. Vous bluffez. Essaie quoi que ce soit et on verra qui d'entre nous deux est le plus fort. Combien je vous dois? Votre facture est de 3 500 000 CD, madame. D'accord. Bien. Les voici.
Désolée, madame, votre monnaie n'atteint pas les 3 500 000 CD. Vous pouvez répéter? Il y a un manque de 500 000 CD, madame. Êtes-vous sûre? Recomptez, s'il vous plaît. Je l'ai compté plusieurs fois, madame. Alors, acceptez-vous le chèque pour le paiement? Nous n'acceptons pas les paiements par chèque. Ce que je peux faire, c'est que je vais enlever certaines choses pour couvrir le manque qu'il y a. D'accord? D'accord, madame. Il y a un problème, madame? Non, non, non. Ce n'est pas un grand problème. Je m'en occupe, merci. L'argent qu'elle a gardé n'est pas au complet. Combien? 5 000 CD, monsieur. Et ma facture? Votre facture, ça fait 2 500 000 CD. C'est 500 000? Ça doit faire 3 millions. D'accord. Vous pouvez garder vos affaires, maman. Oh, monsieur, merci beaucoup. Oh, de rien. C'est si gentil de votre part. Où est la version originale du discours? Oh, c'est ici, monsieur. Le voici, monsieur. C'est bon, mais ajoute ça. Un premier point. Excusez-moi, monsieur. D'accord. Mon gouvernement doit bannir complètement toute la pauvreté. 2. Il doit y avoir 100% de réserve pour les salariés. Chaque mois, pendant les 6 premiers mois, dès que je suis nommé. Bonne idée. 3. L'éducation sera gratuite. En plus des soins médicaux gratuits. Pour les enfants, pour les femmes enceintes et pour les personnes âgées. Très bon programme. Mais monsieur, comment allez-vous procéder pour la mise en œuvre? Dès que je serai à mon poste, je mettrai en place une équipe de commission qui contrôlera tout le moment et qui fondera les opérations qui m'aideront à réaliser tout ça. Monsieur, nous devons discuter du projet de campagne maintenant. Aussitôt que ce sera prêt, faites-moi lire. Oh, c'est prêt. Je l'ai juste là. Vous apprêtez toujours, hein? Oui, monsieur. Je suis un professionnel, vous savez. D'accord. Ça m'a l'air correct. Ben, je vous remettrai votre chèque. D'accord, ça me va. Chauffeur, apporte-moi mes effets, s'il te plaît. D'accord? Et voilà. Ça, c'est pour toi. Et moi... Ce fut le moment le plus embarrassant de ma vie. Alors, qu'aurais-je pu faire? Si cet homme n'avait pas intervenu pour arranger la situation. Maman, peut-être que la caissière a mal compté l'argent. Est-ce que la machine à compter peut faire une erreur de compte? Mais tu sais, l'argent était-il au complet quand tu quittais la maison? Je ne peux pas vraiment m'en rappeler. Laisse-moi voir. Johnson! Johnson! Maman, tu sais qu'on ne peut pas totalement faire confiance à ces machines à compter. Alors, quelquefois, il y a des erreurs. Juste des erreurs. Mais j'ai vraiment compté l'argent. Madame, vous m'avez appelé? Qu'est-il arrivé à l'argent dans mon tiroir?
Je dis, qu'est-il arrivé à l'argent dans mon tiroir? Je ne sais pas, madame. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne sais pas » Maman, comment veux-tu qu'il réponde à ta question? Il a simplement répondu de la façon dont il peut. Johnson. Madame. Écoute-moi. Tu as accès à toutes les chambres de cette maison, n'est-ce pas? Oui, madame. Et si l'argent disparaît dans ma chambre, tu me dis que tu n'en sais rien? Madame, je ne suis pas un voleur. Je ne t'ai pas traité de voleur, n'est-ce pas? Non, madame. Ma mère. Qu'est-ce qu'elle a? Écoute, elle contrôle tous les gestes que j'ai avec mes copines. Et je n'aime pas ça. Et ça c'est ce que tu appelles problème? Alex est venu ici aujourd'hui. Et elle a insulté ma mère par erreur. Elle ne savait pas que c'était... qu'elle était ma mère. Qui est Alex? La même fille dont je t'ai parlé. Et qu'est-ce que tu as pu faire? J'ai été si bête. Avant que je ne dise quoi que ce soit, ma mère l'a giflé au visage. Elle a très bien fait. Comment peux-tu lui permettre de faire certaines choses en ta présence? En ta propre présence? Je veux dire, elle a de la chance que je n'étais pas là. Je l'aurais étranglé à mort, moi. Alors tu es en train de dire que même en ma présence, quelqu'un ne peut pas battre ma mère? Non, je n'ai pas dit ça. Toi aussi. Comment peux-tu faire une chose pareille? Mais tu sais, ma mère me met tellement la pression. Elle en a tous les droits. Je le sais. Mais elle voudrait que je m'engage à une vie de couple. Et laisser les autres filles pour qui? Le mariage demande beaucoup de responsabilités, tu sais. Comme si tu ne le savais pas. Je sais ça. C'est pourquoi je veux jouir de mon célibat maintenant. Pour que quand je vais m'engager, je sois complètement fidèle à ma femme. Tu dois y songer rapidement. Ta maman a raison, tu sais. Je sais. Mais je voudrais qu'elle me colle la paix. Alors fais-lui ton argument. Elle ne comprend pas. Fais-lui comprendre. Je suis sûr que tu trouveras le moyen pour. Écoute, oublions ma maman. Allons nous amuser ce soir. Dans ces circonstances? Oui, je veux casser cette circonstance. Avec du cognac, tu sais. Tu sais, et les plus belles filles. Allez. Cognac. Allons-y. Toi. Tracy, comme je te le disais, les colis arriveront bientôt. Et vu que tu as une bonne amie, je pense que tu seras la première personne informée. Waouh. Ça, c'est vraiment gentil de ta part. Laisse-moi juste un exemple de ça. Alors, je dirai à mon fils de faire les arrangements nécessaires pour que la compagnie puisse tous les acheter. Tu me fais penser. Concernant ton fils, comment se porte-t-il maintenant? Je suis sûre qu'il a un grand garçon qui se prépare à une vie de couple, n'est-ce pas? Et j'espère qu'il a déjà trouvé son âme sœur. Tu sais, dans la vie d'aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver. Trouver l'âme sœur semble être la plus grande maladie pour toute la jeunesse. J'espère que mon fils ne souffre pas de cette maladie. Oh, toi aussi, Tracy. Souviens-toi de notre temps. Ce n'était pas comme ça. Nos parents faisaient tout, puis nous informaient. Et de quel droit refuser? Hey! Ils disent que c'est une époque révolue. Époque maintenant. Quoi? Révolue? Ils pensent tout connaître. Mais si seulement je pouvais prendre toutes les décisions, honnêtement. Alors, je pourrais peut-être t'aider? Je serais très heureuse si tu le pouvais. Pas de problème. Tu vois, je ne voudrais pas qu'il sache que je discute de son cas avec quelqu'un d'autre. Non. Dehors. Ne t'inquiète pas, je saurai comment m'y prendre. Mais, merci. Ne t'inquiète merci pas. Beaucoup. Ne t'inquiète Alors pas. Tu seras discrète sur ce Bien point. Bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup. Oh, merci Tracy. Beaucoup. De quoi as-tu peur? J'espère que quand ton mari sera le président Arrête de ce pays. Arrête ça tout de suite, Tracy. Non. Ne me demande de te faire aucune promesse pour le moment. Je ne connais pas le sort qui lui est réservé dans ce pays, s'il te plaît. La chance lui est réservée. Ne dis rien, c'est la chance. Donne-moi 5. Hey, Tracy, toi. La chance est avec nous, oui. C'est absolument la chance. Oh, dis-moi plus. Et je disais.
Et quoi d'autre? Je voudrais être la... La quoi? La ministre des femmes et des enfants en difficulté. Ça y est, recommence à long. Et après, ministre de l'environnement et de l'industrie. Continue, continue d'appeler le nom des ministères. C'est ce qui me plaît. Pourquoi vous avez fait ça? Fait quoi? Vous me causez toujours des problèmes. Comment? Je vais vous dénoncer si vous ne... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vous qui avez pris cet argent. Rappelez-vous, je vous ai vu. Pourquoi tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme? D'où avez-vous eu l'argent qui est dans vos mains? Quel est ton problème? Dans où je peux mettre mon argent? Oh, c'est drôle, je vous soupçonne d'avoir fait quelque chose de bizarre dans la chambre de votre mère. Tu ferais mieux d'arrêter de m'emmerder, autrement tu auras des ennuis. Comment oses-tu me traiter de voleuse? Vous êtes définitivement une voleuse, une kleptomane. Tu en as plus l'air que moi. Comment? Tu le sais mieux que moi. Écoutez, enfant gâté, vous vous croyez malin? Qui appelles-tu enfant gâté? Vous, bien sûr. Johnson, tu me traites maintenant de voleuse dans la maison de mon père? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à votre mère? Quelle vérité? Que vous avez volé l'argent. Tu peux le prouver? Oh, Winifred, je ne peux plus rester ici à vous écouter raconter des mensonges. Très bientôt, on saura qui porte le masque. Je vous avertis. Arrête cette blague, Johnson. Si tu me manques encore de respect, je persuaderai mes parents de te mettre hors de cette maison. Encore un scandale. Et je vous dénoncerai à votre mère. D'accord? Tu plaisantes. Vous êtes une menteuse. Tu es fou. Tu as un problème dans la tête. Oh, je suis faux. Regardez-la. Devine quoi? Maman a perdu une très grande somme d'argent aujourd'hui. Quoi? Écoute, chérie, es-tu sûre d'avoir bien compté l'argent avant de partir? Pas exactement. Selon mon imagination, c'était au complet. C'est une bonne leçon pour toi. Allons, chérie. Ce n'est pas une bonne conclusion venant de toi. Nous devons aller au fin fond des choses et découvrir ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai de meilleures choses à faire que de parler de ça. Et tu sais, oublie cette histoire. Oublier ce qui s'est passé. Ça pourrait être le début de vol bien pire qui attend de se produire, tu sais? Je suis sûr que tu n'as pas conclu que c'est quelqu'un de cette maison qui a fait ça. Parce que si tu l'as fait, pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que tu viens de me dire que selon ton immigration, l'agent était au complet avant que tu partes. Alors, comment expliquer ce manque? Je ne sais pas. Tu n'espères pas que je le sache? Dis-moi ce que M. Kola t'a dit. Chérie, je pense que quelqu'un, quelque part, n'est pas content de tes ambitions présidentielles. Que quelqu'un est dans ton parti et en même temps dans un autre parti. Je ne peux vraiment pas... Je veux dire... Et maintenant, tu veux que je laisse tout tomber pour ça? Si seulement tu pouvais faire mes volontés, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, laisse-moi te parler de politique.
La politique est un jeu qui te crée des ennemis en permanence à cause de tes intérêts permanents. Quelqu'un peut appeler tes ambitions et te supporter. Quelqu'un d'autre peut être du camp opposé. Et c'est comme ça se passe. Alors, qu'est-ce que tu feras de cette menace? Je vais saisir cette situation en faveur de mes ambitions. Allons, s'il te plaît. Ta vie est en danger. Chérie, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je vivrai aussi longtemps que le chat à neuf vies. S'il te plaît, non, tu ne dois pas jouer avec ta propre vie. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Tu rigoles, n'est-ce pas? Non. Allons. Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Winifred. Oui, maman. Je viens dans une seconde. Je sais combien ça doit être difficile. Mais tu ne dois pas te culpabiliser. Tu dois en parler. Afin que les autorités compétentes te rendent justice. Pour que la société soit libérée. De ces genres d'animaux que représentent ces hommes. Écoute, je suis ici pour toi. Alors parle-moi donc. Tout a commencé le lundi matin. Salut ma belle. Quel est ton nom? Adjoamensan. Adjoamensan. Je ne suis pas du tout content de tes résultats en mathématiques. J'ai pris mon temps à étudier tes progrès à ce sujet. Et il n'y a vraiment rien à faire. Et il n'a rien à dire. Nous allons nous voir 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Tu viendras chez moi à 10h chaque soir. Et pour qu'on puisse s'exercer un peu en mathématiques. Oh, mais tu n'aimes pas ça? Je veux rentrer à la maison. Adjoa. Adjoa. Tu veux me dire que tu n'aimes pas que je te touche? Je ne comprends pas ce que vous dites. Adjoa. À ton âge, il faut que tu saches que si je couchais avec toi, cela te garantira la réussite à ton examen. Il faut que je rentre. Ma mère doit être en train de me chercher en ce moment. Non, mais écoute-moi. Serais-tu si bête pour raconter ça à ta mère à l'âge que tu as? Ton succès dans cette vie dépend de tes bonnes connaissances en mathématiques. Je veux te faire l'amour. Il faudra surtout pas que tu le dises à qui que ce soit. Parce que si tu le faisais, tu mets ton succès en jeu. Écoute-moi, rassure-toi que personne ne l'apprenne. C'est une bonne idée que tu sois venu me voir. Tu as raconté ça à tes parents? Non. Pourquoi? Mon père est décédé et ma grand-mère est à l'hôpital. Et ta mère? Je ne veux pas lui en parler. Et à ses proches? À part Nancy et vous, docteur. Personne n'est au courant. Où est-il en ce moment? Il est toujours professeur à l'école. Je me demande à combien de filles il a fait ça. Mais je peux t'assurer que la fin est arrivée. Je m'assurerai qu'il soit arrêté et persécuté. Nous n'avons pas besoin de ce genre de personnes dans notre société. T'inquiète, ça va aller. Maman, s'il te plaît, puis-je avoir les clés de la voiture? Winnie, où vas-tu habillée de façon si séduisante? Mais n'est-ce pas très jolie? À une fête? En boîte? Ou quoi? Écoute bien, Winnie,
Une bonne fille comme toi ne doit rien mettre d'indécent pour voir son docteur, d'accord? Alors, monte rapidement, va t'habiller de façon décente avant de partir de cette maison. Mais maman, ça c'est ce qui est à la mode. Fifi, ne discute pas avec moi. Si tu pouvais te voir toi-même, tu ferais mieux de monter, de mettre quelque chose de décent, n'est-ce pas? Hors de ma vue. Winifred. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? Votre maman voudra que vous descendez. Dis-lui que j'arrive. La prochaine fois, si tu entres sans frapper, je serai très fâchée contre toi. Maintenant, va... Qu'il doit y avoir une erreur chez la personne. Je ne suis pas cette personne. N'êtes-vous pas Ibrahima Bankali, professeur? Oui, c'est moi. Alors, il n'y a pas d'erreur d'identité. C'est bien vous que je viens arrêter. Officier, vous pouvez me parler de mon avocat d'abord? Vous pourrez le faire une fois qu'on sera au commissariat. Je ne la connais pas sous le nom d'Adjoa Messan, une étudiante de mon école. Pourquoi l'avez-vous convoquée hors du cadre scolaire? Pour lui donner des cours spéciaux en mathématiques de votre maison. Officier, j'ai fait ça au nom de l'humanité. J'ai réalisé que la fille n'était pas bonne en mathématiques. En tant que professeur de sa classe, j'ai choisi de lui offrir des cours à domicile en mathématiques. Vous avez été arrêté et amené ici pour avoir violé la jeune fille de votre chambre la toute première fois qu'elle est venue chez vous pour des supposés cours de mathématiques. Officier, croyez-moi, je ne l'ai pas violée. Que diable lui avez-vous fait? Rien, officier. Mademoiselle Adjoa, est-ce cet homme qui a eu des relations sexuelles avec vous sans votre consentement? Oui, monsieur. Officier, elle ment. Taisez-vous, monsieur Bankwa. Laissez-la parler. Adjoa, regarde attentivement. Es-tu sûr que c'est le même homme? Oui, monsieur. Officier, je ne l'ai pas violé. Que diable lui avez-vous fait? Officier, je lui ai juste enseigné les mathématiques, c'est tout. Monsieur Abraham, nous avons apporté un test d'hôpital qui prouve qu'elle a été violée. Et nous avons aussi un échantillon de vos spermes qui ont été prélevés dans son organe. Puisque vous dites que vous ne l'avez pas violée,
Alors la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de vous faire un test au laboratoire selon la procédure et de le comparer aux résultats que nous avons. Après quoi, nous serons capables de déterminer qui d'entre vous deux est en train de mentir. Officier, je suis désolé pour ce qui est arrivé. C'était une œuvre du diable, s'il vous plaît. L'œuvre du diable est finie. Les hommes comme vous qui se comportent comme des animaux ne méritent pas d'être des hommes. Officier, s'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Demain, vous serez conduit au tribunal. Ah. Où le juge décidera de votre sort. Officier, nous ne pouvons pas résoudre ça entre nous, s'il vous plaît. Je vous paierai pour ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a rien à résoudre. Vous devez payer pour les actes que vous avez posés. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez le moisir officier, en prison. Officier, je suis un homme décent. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis un professeur responsable, s'il vous plaît. Madame. Oh, tais-toi. Te voilà bien décent dans cet habit. N'est-ce pas mieux comme ça? Allons. Ah, maintenant Winnie, tu remets ça au docteur Robinson, d'accord? Pouvez-je avoir la clé? Tu ne devrais pas prendre le volant. Le chauffeur te conduira, te ramènera à la maison. Maman! C'est ton père qui l'a exigé. Winnie, pourquoi tu fais la tête? Tu vas voir le docteur jusque sur le campus, n'est-ce pas? Alors, où est le problème si le chauffeur t'y conduit et te ramène à la maison? D'accord, dis-lui de me voir dans la cour. Il t'attend déjà dans la cour. Dis à ma mère que la voiture a une panne. Mais madame, la voiture... Madame... Ne lui dis que ça. D'accord, hein? C'est entendu. Hold up. Slow down. Listen, give me 10 minutes. Well, give me 5 minutes. All right, but before you leave, I just need these last 4 minutes. Pardon me if I'm talking fast and stumbling on my... C'est de ça qu'on parle. Faut que je travaille sur cet accord. Hey, quoi de neuf, bébé? Comment vas-tu, ma chérie? Avec ce sourire, t'as l'air si ravissante. Comment tu vas? Je vais bien. J'essayais de t'appeler, mais ça ne passait pas. Qu'y a-t-il? J'ai volontairement éteint le téléphone pour ne pas être dérangée. Wow! Ne me dis pas que t'es une fille à maman. Ouais. Mes parents pensent que je suis un enfant, alors ils continuent de me traiter ainsi. Oh, j'arrive pas à y croire. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne suis pas un enfant. Bébé, excuse-moi, je serai de retour d'ici peu, d'accord? Ce n'est que moi, tu es là, bébé? Merci. Oui, c'est de ça que nous parlons ici. Oh, yeah. Eh, bébé. Alors, on dit quoi? Ouais, voici l'argent. Wow, bébé, ça c'est bon. Il faut le dire, baby, ça c'est plus que bon.
Ça, c'est A-R-G-E-N-T, baby Benjamin. Hey. Même Jah Rastafari a commencé à aimer Benjamin. C'est de ça que nous parlons. Yeah. Je peux avoir ma dose maintenant? Bien sûr. Aussi longtemps que l'argent tourne et tournera, je continuerai de planifier, et ça n'en finira jamais. Si c'est impossible, je le rendrai possible. Parce que nous rendrons l'impossible possible, baby. Tu sais comment on fait. Bien, la marchandise. Attends juste un instant, ce sera bientôt là. Ouh, baby, c'est de ça qu'on parle. Yeah, voici la marchandise, la vraie. Yeah. Attends, attends, attends un instant, tu vas adorer. Oui, laisse-moi te montrer comment on s'y prend. Ça c'est très bon, renifle, renifle ça. Tu aimes ça, hein? Yeah. Salut chérie. Oui, je viens juste de finir de discuter avec mes collègues. As-tu appelé le docteur pour savoir si elle est admise? En fait, le docteur dit qu'il n'a pas encore vu une Fred. Quoi? Où peut-elle être? Bébé, tu n'as pas reçu de carte d'invitation. Et c'est pourquoi tu dois partir d'ici. L'affaire est claire. Je ne veux pas que tu déranges mon invité. D'accord? Alors, va-t'en maintenant. En plus, je ne t'ai pas invité ici, n'est-ce pas? Quoi si? Tu me déçois énormément. Je te déçois, moi? Ne t'inquiète pas. Mon arrière-grand-père a déçu toutes ces 30 femmes. Alors, désolé de te décevoir, mais barre-toi maintenant. Yeah, barre-toi. Tu voudrais que je quitte ta maison? Merci beaucoup, tu vois? À cause de cette prostituée? Oh. Tu peux répéter? Non, calme-toi. Qui appelle-tu prostituée? Assez, la ferme, taisez-vous. Qui appelle-tu prostituée? Vous allez vous calmer ou quoi? Tu veux finir avec malade. Toi? Laisse-moi me filmer avec elle. C'est quoi ce problème? Stupide. Mais quel est votre problème, non? Mais quel est ton problème, hein? Attends, tu vas voir. Mais je suis l'homme ici. Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, taisez-vous. C'est quoi votre problème? Oh! C'est bon, je suis l'homme ici. L'homme de la place. Alors vous allez vous calmer et vous la fermer. C'est bon, bébé, tu peux te calmer maintenant. Maintenant, à ton tour. Tu dois t'en aller et on discute plus tard. Je dis que je n'irai nulle part. Si tu ne pars pas, je vais te faire partir d'ici. Tu vas partir ou quoi? Nulle part. Tu veux vraiment me mettre en colère? Je dis que je ne vais nulle part. Tu veux vraiment me mettre en colère? Je ne vais nulle part. C'est ce qu'on va voir. Je ne vais nulle part. Si tu ne veux pas partir, je vais te faire sortir moi-même. Laisse-moi. Allez, dehors. Laisse-moi. Allez. Hey, Wendy. Wendy. D'où viens-tu à cette heure-ci de la nuit? Bonsoir papa. Bonsoir maman. Tu n'as pas répondu à ma question. Je reviens des cours. J'étais à l'hôpital seulement dans la matinée. De quel hôpital parles-tu? Écoute-moi bien. J'ai appelé le docteur et il m'a dit que tu n'as jamais été là-bas. Alors, de quel hôpital parles-tu? Écoute, où étais-tu? Après plusieurs appels, le docteur m'a définitivement dit que tu n'étais pas à l'hôpital. Tu donnes un peu de liberté à ton enfant et elle veut tout prendre. Maintenant, elle veut être une fille de la rue et saler ma réputation politique? Je ne voudrais pas avoir un enfant qui ment. Et je te couperai le doigt avant que tu n'arrives à ce point. Regarde ici, Winnie. Tu dois présenter tes excuses à ton père. Mets ça. Où peut-il bien être? Hey!
Qui est-elle? C'est ma cliente, je veux dire ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-tu arrêter de bégayer et dire la vérité? Ta cliente ou ta sœur? Laquelle elle est? Ma sœur. Le pire qu'elle puisse faire, c'est de rapporter à ta mère. Exactement, c'est ce que je ne voudrais pas qu'elle fasse. Pendant combien de temps vas-tu encore dépendre de ta chère mère?